en Angleterre. Ça ira. Non, mais vas-y, parle-moi. Non, ça ira. Allez, parle-moi avec ta bouche. Ah, salade-man. Tu fais des petites réserves? Oui. Tu fais des petites réserves de salade? Ouais. Je suis une grosse je suis une grosse mongole. Là, j'arrive pas. Tu sais faire des petits sauts? Vas-y, tu peux sauter si tu veux. Vas-y, je te fais les photos si tu sautes. Tu manges pas? Vas-y, saute. Ça. 1, 2, 3. Vas-y, encore, encore, encore. C'est quel terminal, regarde. Alors déjà, on sait qu'à Londres, les sièges, ils sont super pour dormir. C'est long, hein? Ouais. Alors, comment était mon expérience? Je dirais très bonne. C'est tout? Il se passe quoi? Très bonne. Et ben voilà quand on cherche un endroit moelleux. Aïe aïe. T'as eu le flair. Hein? J'ai été forte. On est bien. Oh là là. On est bien dans l'aéroport d'Angleterre. Meilleur aéroport du monde. Et quasiment 22h, on a notre deuxième avion dans 1h30 et Farid commence à stresser. Il est 22h, tiens. Il est pas 22h, il y a le décalage horaire, Farid, il est 21h. Pourquoi tu stresses? Décalage horaire, il nous reste 1h30. Mais c'est pas grave, viens, on monte quand même dans notre... Ben non, je vais en maintenant. Ah non, tu m'as fait déplacer pour rien? Mais t'étais là-bas, Farid. Ah, il était en train de faire le taré parce qu'il avait pas quelqu'un. Ben oui, c'est ça que je t'ai... Attends, mais alors ça sert à rien, là. Non, mais c'est bon. Voilà, les geeks, ce qu'ils font pendant qu'ils attendent l'avion. Ils sont branchés de tous les côtés. Je suis geek, moi je suis un geek. Bah Farid, t'es un geek, hein. Je suis un geek, quoi. T'es un geek. T'es sur ton ordi, t'es branché de tous les côtés. Moi pareil, on est des geeks, on est des geeks. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah, excusez. À Londres, on avait 4 heures entre les deux avions. On s'est posé dans le terminal A parce qu'il était hyper confortable et qu'il y avait des longs sièges de malade qu'on pouvait dormir, c'était trop bien. Pendant 4 heures, on n'a rien fait, on a geeké, on a promené, on a mangé, c'était trop bien. L'embarquement est à 21h50 et à 21h50, on se rend compte qu'on a oublié de prendre notre avion. Non mais le fou, on avait 4 heures d'attente, on a oublié de prendre l'avion. Et donc là, on regarde le truc et on voit Flight Closed. On dit, mon Dieu, on a raté notre avion. On était en panique. Donc, on commence à devenir fou. On court, on court, on court, on court. On se rend compte qu'on n'est pas dans le bon terminal. En fait, c'est le terminal B. C'est un autre terminal que dans un autre immeuble, comment on dit? Ah, il ne m'écoute pas. Bon, que dans un autre truc. Donc, on court, on va dans tous les sens parce qu'on est complètement paniqué. On monte des escaliers, on tombe sur une porte. Il faut qu'on les redescende. Après, on court. Après, on court, on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon sens. On recourt, Farid, il va d'un côté. Moi je vais de l'autre, on était complètement dingue, on était à bout de souffle, on fait pas de sport, c'est horrible. On était à bout de souffle, on court, on court, on court, on court. Après on arrive, on se rend compte qu'il faut prendre un train. Donc on est obligé de prendre le train, on dit, et là on se dit putain c'est mort, c'est mort, c'est mort, on l'a raté, mais comment on va faire, on est dans la merde. On s'imagine en train de dire à tout le monde on a raté l'avion parce qu'on a oublié de prendre notre correspondance, on met des tarés. Les mecs sont dans un terminal en train d'attendre 4 heures et ils oublient d'aller prendre l'avion. Il faut vraiment être taré pour faire ça. Et donc, en montant le train, on était en panique, on n'en pouvait plus, c'était la merde. Et là, on arrive dans le terminal, on court, on a eu de la chance. Et au moment où on arrive, ils étaient en train de fermer les portes. Et là, on les supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on prend le train. Moi, j'avais monté un scénario, j'allais dire que j'étais malade, que j'avais fait que vomir et que c'est pour ça qu'on avait raté le truc. Franchement, j'allais faire la malade, quitte à me rouler par terre, je prenais mon avion. Et donc, on a supplié, pitié, 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 ils nous ont laissé rentrer. Donc là, on est dans notre avion. Et on est trop. Du matin, on a passé toute la nuit dans la
dans ton avion. Ça a l'air gentil, mais c'est pas du tout. Et je vais boire mon thé au lit. Voilà, j'ai cru que j'allais mourir. Oh. J'ai cru que j'allais mourir plein de fois cette nuit parce que l'avion faisait que bouger, c'était horrible. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et j'ai eu super peur pour ça. A toutes. Ciao. Content de te revoir végétarienne. T'as eu peur. Quand elle a dit bacon, j'ai vu qu'il y a une petite goutte qui t'a parlé sur ton front. Alors le mec il dit des trucs en espagnol et on comprend rien, tout le monde rigole, ils applaudissent. Nuevamente, si quieren, je pense que tout notre voyage ça va être ça. On ne sait pas. Destino. Enfin,